Les potes, aujourd'hui, on va accomplir ensemble les quêtes du skin Rodeur. Les défis sont disponibles. Vous allez voir qu'en réalité, c'est un jeu d'enfant. C'est du gâteau pour débloquer ce skin et on va absolument tout découvrir dans cette vidéo. Avant tout, le premier défi que je vous lance pour pouvoir débloquer ce skin, c'est de vous rendre dès maintenant dans la boutique d'objets et d'ajouter le code créateur chou. 4 lettres CHOU, merci à tous ceux qui l'ajouteront, sachez que vous êtes vraiment les boss pour ceux qui l'ajouteront. Si c'est toujours pas fait, pensez à vous abonner, c'est très important, ça vous permettra de ne pas louper les prochaines vidéos, sachez qu'il y a une vidéo ou plus par jour sur la chaîne, et ça vous permettra d'avoir pas mal de contenu et de savoir tout ce qui va arriver dans le futur du jeu. Comme d'habitude, pensez bien à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin, ne loupez aucune information si vous souhaitez débloquer ce skin, ça prend seulement quelques minutes. Et enfin pour terminer, seulement ceux qui veulent débloquer ce nouveau skin gratuit ont le droit de liker cette vidéo, et comme d'habitude sans plus tarder, on est directement parti. Ok les potes, comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo, on va réaliser ensemble tous les défis concernant le skin Rodeur. On va débloquer le skin, mais également toutes les autres cosmétiques. Les gars, on commence avec le premier défi qui consiste à infliger des dégâts en étant accroupi ou alors en glissant. Et il faut infliger un total de 500 de dégâts. Ok, ce premier défi, c'est vraiment très très simple et je vais directement vous montrer comment faire. Du coup les potes, comme vous le voyez devant moi, il y a actuellement des ennemis, donc je vais directement vous expliquer comment faire pour accomplir le premier défi. Alors il est dit qu'il faut être accroupi, donc jusque là, il n'y a pas de souci. Hop, on s'accroupit et ensuite on tire sur les joueurs afin de leur infliger des dégâts. Donc ça, c'est le premier défi. Et ensuite, le deuxième défi, il est encore plus simple. Il consiste en fait à glisser sur le sol de cette manière et donc de tirer sur les ennemis. Alors comme vous le voyez, là hop, je suis accroupi. J'inflige des dégâts, et comme je vous l'ai dit précédemment, il faut infliger 500 de dégâts. Concernant maintenant le second défi, il faut obtenir plusieurs types d'armes à partir de la rareté épique ou plus. Ok, bon, en réalité, c'est pas très compliqué, et désormais, je vais vous donner les localisations où est-ce qu'il faut vous rendre afin de pouvoir trouver ces fameuses armes. Sinon les gars, une autre solution, c'est de vous rendre soit à Cover Cavern, afin d'éliminer le boss Gunnar, et donc là vous allez pouvoir récupérer une arme mythique. Et ensuite, pour avoir une arme supérieure à épique les gars, et bien une fois que vous avez récupéré la carte de Gunnar, vous allez devoir ouvrir le coffre-fort. À l'intérieur, on va y retrouver pas mal d'armes en or, ou alors des armes épiques, et donc le défi sera vite accompli. L'objectif, c'est d'avoir trois types d'armes différentes, et à partir de là, le défi est réussi. Alors en même temps les gars, une fois qu'on est dans le coffre-fort de Gunnar, et bien on va accomplir un autre défi. Comme ça, on est tranquille. Le défi consiste simplement à récolter 300 lingots d'or, ce qui est vraiment très simple. Une fois qu'on est à l'intérieur, on ouvre les coffres où l'on peut retrouver les lingots d'or. Et là, bah, les potes, comme vous l'avez compris, les 300, on les débloque instantanément. Voici pour 3 défis accomplis directement en un seul coup. Et comme vous l'avez vu, ça nous a pris seulement quelques instants. Maintenant, les potes, on enchaîne avec le défi suivant. Il faut utiliser un aérosol dans la ville de Daily Bugle. Ok, donc là, je vous affiche à l'écran où est-ce que ça se trouve. Daily Bugle, c'est ici, c'est la ville de Spider-Man. Donc voilà, les gars, on arrive à Daily Bugle, peu importe l'endroit. On vient ici et on va devoir utiliser un aérosol. Pour ma part, celui-là. Et donc ça y est, le défi a été accompli. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez en mettre plusieurs, histoire d'être sûr de valider le défi. Hop, j'en mets un différent ici. Et ça y est, le défi a été accompli. J'ai réussi à débloquer le fameux spray qui était en fait la récompense en réalisant cette petite quête. Concernant maintenant le cinquième défi, si je ne me trompe pas, il faut ouvrir des coffres, et plus précisément 7, et tout ça sans prendre de dégâts. Alors je vous invite à vous rendre dans des endroits où il n'y a pas énormément de monde, des endroits qui ne sont pas des villes. Et ensuite les gars, eh bien on ouvre un coffre jusqu'à 7 coffres, ce qui est en réalité plutôt simple. Tout ça sans prendre un seul dégât, parce que oui, si vous prenez ne serait-ce qu'un seul dégât, malheureusement, il faudra recommencer le défi. Concernant maintenant un nouveau défi, celui-ci consiste à infliger des dégâts dans la tête avec une arme thermique. Alors une fois qu'on arrive à trouver l'arme thermique, eh bien c'est un jeu d'enfant. Là, le plus compliqué, c'est de réussir à la trouver, mais une fois qu'on l'a obtenue, eh bien les gars, je peux vous garantir que c'est vraiment un jeu d'enfant. Alors comme vous le voyez les potes, j'ai trouvé l'arme mythique, c'est celle-ci, donc je la récupère, et désormais, je vais vous montrer le défi. Alors comme je vous l'ai dit, il suffit simplement d'infliger des dégâts dans la tête, donc là, il y a un ennemi, hop, une balle dans la tête. Une deuxième, une troisième, une quatrième, et la cinquième. Ça y est, il est mort. Et donc, vous devez réaliser autant de tirs dans la tête qu'il est demandé. Et à partir de là, le défi sera accompli et vous allez pouvoir débloquer la récompense qui est la suivante. Concernant maintenant le dernier défi qui vous permettra de récupérer absolument toutes les récompenses d'un seul coup, c'est le suivant, il faut trouver un véhicule, le modifier
et parcourir la distance de 500 mètres, tout ça en une seule partie. Du coup, bah les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on part à la recherche d'un véhicule, on va le customiser, et comme vous l'avez compris, on va parcourir 500 mètres. Alors pour réaliser ce dernier défi, il faut trouver un véhicule, comme moi dans la vidéo. D'ailleurs, il est plutôt stylé, j'aime bien le camouflage. Vous allez devoir vous rendre près d'une station d'essence. Alors pour ma part, j'ai de la chance, juste à côté de Tilted Tower, il y en a une, et là-bas, généralement, il y a souvent des véhicules, mais il y a également souvent des pneus. Donc ce que je fais, c'est que je me rends juste ici, et donc là, si j'ai de la chance, en cassant ça, j'obtiens un pneu. Là, c'est pas le cas. En cassant ça, peut-être que oui. Donc là, non. Ok. Donc étant donné que j'ai pas réussi à trouver de pneu, eh bien, je me suis rendu dans une autre station d'essence, et là, regardez, il y a un pneu. Donc ce que je fais, c'est que je le prends, je le jette directement sur la voiture, elle s'est modifiée, je rentre à l'intérieur, et donc là, on va placer un ping à une distance d'à peu près 500 mètres, je pense ici, ok, un peu plus loin. Voilà, là on est à 500 mètres, donc j'ai simplement à parcourir toute la distance, un total de 500 mètres, pour pouvoir accomplir ce défi. Suite à ça les potes, nous avons accompli absolument tous les défis en lien avec le skin Roder. Si on accomplit 3 des défis que je vous ai présentés depuis le début de la vidéo, on débloque le skin. Et en accomplissant tous les défis, ça nous permet de débloquer l'emote du skin. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura informé. Si c'est le cas les gars, je compte vraiment sur vous. Abonnez-vous dès maintenant, c'est vraiment super important. Si vous souhaitez me soutenir, code créateur chou dans la boutique, c'est vraiment la meilleure solution. Et enfin pour terminer, pensez à lâcher un pouce bleu. C'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite d'accomplir vos défis le plus rapidement possible et le plus facilement. C'était Shaoki. Ciao, ciao.